Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter une partie assez intéressante qui s'est terminée relativement rapidement sur une espagnole, sur une ouverture espagnole. Vous allez voir, c'est assez sympathique. E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, fou B5, A6. Re, x4, cavalier f6, petit roque fou e7, tour 1, b5 fou b3, d6, cavalier a5 fou c2, c5 d4, alors cavalier d7 et cavalier bd2. Donc là on voit que le cavalier contrôle parfaitement les deux cases centrales c5 et e5. Donc c'est l'idée de jouer, de ramener le cavalier en d7. D'habitude on joue plutôt dame c7 ici. Alors, E prend, C prend, et cavalier C6, avec une pression, on le voit ici directement sur la case D4, et puis bon, un contrôle aussi doublé sur la case E5. Alors D5 est joué, donc cavalier E5. Cavalier prend, cavalier prend. Ouais. Sur D prend, ça peut aussi être, ça peut aussi apparemment être considéré. C'est vrai qu'on a un beau pion passé ici, mais justement, c'est compliqué, mais peut-être une possibilité de jouer comme ça. Tout simplement. Le fou va pouvoir se développer peut-être, ce fou-là, je sais pas encore trop où. C'est compliqué quoi qu'il en soit. Le grand maître dit que visiblement pion prend peut être considéré. Parce que selon lui, les chances donc du pion passé sont équivalentes ou en tout cas sont compensées par le fait qu'il y a une majorité de pions sur l'aile dame, et il a raison, c'est vrai que effectivement le pion peut être poussé, il y a une majorité de pions. Donc je vais vous montrer directement cette partie-là, elle se termine relativement vite. J'ai plus beaucoup de batterie, donc je vais pas pouvoir faire beaucoup de choses. Donc je vais vite vous montrer cette partie-là et vous expliquer les coups brièvement. Donc dans la partie c'est cavalier prend qui a été joué. Donc là on voit tout de suite F4, cavalier G6. Ça m'avait été joué dans pas mal de parties, ça, F4, cavalier G6, pour moi c'est totalement correct, hein. C'est totalement dans l'esprit de la position. Alors après, F5 est parfois joué, je suis pas trop fan de ce coup, j'avoue. Hein. F5, ça redonne la case tout simplement au cavalier. Alors après, il peut y avoir des idées d'attaque, c'est sûr, mais on va voir dans cette partie qu'elles sont quand même relativement... si les noirs jouent bien, ça devrait pouvoir se tenir. Donc F5. Alors attendez, je vais regarder. F5, F4, cavalier G6. Cavalier F3, pardon, c'est moi qui me suis trompé. Ici, le grand maître préfère jouer cavalier F3 plutôt que F5. Et ça, je suis totalement en accord avec ce coup.
Je préfère largement développer mon cavalier en F3. Préparer la poussée, vous voyez la poussée ici, c'est beaucoup plus logique, hein. C'est beaucoup plus humain, on va dire, que de jouer F5, qui paraît un peu curieux. Et donc après cavalier F3, c'est les noirs qui jouent F5. Donc peut-être pour empêcher F5 des blancs, tout simplement, je sais pas, je suis un peu dubitatif hein, vis-à-vis de ce coup, je sais pas trop. Ça peut être intéressant, ça peut... Ouais, cavalier ici, ouais, je sais pas trop. Donc F5, E5, logique, hein. C'est très fréquent que quand on pousse un pion qui attaque un... Quand l'adversaire pousse un pion qui attaque l'un de nos pions, qu'on le pousse. Là, en l'occurrence, on essaie de se créer des pions passés, on a quand même une bonne structure. Mais comme l'a dit le grand maître, effectivement, les noirs ont également une structure qui va leur permettre de menacer également des pions passés. Alors, après E5, D prend E5. Je pense que la prise du pion est logique ici. Ouais, F prend E5. On a deux pions qui sont liés, deux pions passés liés. Alors bon, oui, il y a la menace de pousser, elle n'est pas non plus si extraordinaire, hein. Un petit avantage quand même, c'est vrai, mais enfin, je veux dire extraordinaire dans le sens où elle va pas attaquer non plus le fou de façon extraordinaire parce que il aura toujours des cases. Pardon, il aura toujours des cases pour sortir. Mais c'est vrai que les pions avancent. Et il y a deux pièces lourdes derrière, donc c'est vrai que c'est inquiétant quand même. Alors, après prend E5, fou B7, pression sur D5. Pression sur D5. D6, ça c'était logique. Fou H4. Alors fou H4 c'est intéressant. Fou H4 c'est intéressant. Parce que la tour qui est en E1, est vraiment un bloc important, un bloc défensif important, un soutien, une fondation de la poussée des pions, parce qu'elle soutient le pion E5 lui-même qui soutient le pion D6. Donc c'est vraiment très intéressant de voir fou H4 jouer. Sur cavalier prend H4, ça me paraît un peu litigieux, hein. Il y aurait peut-être des possibilités de s'infiltrer avec les noirs. Sur case noire, de pousser le pion et d'obtenir une attaque, certainement. Surtout que le fou B7 donne directement, on le voit, sur les bonnes colonnes. Donc on a vraiment des possibilités avec les noirs d'attaque après. Je suis pas convaincu par la prise. Le coup du livre est pour moi beaucoup plus logique. Tour F1, ça semble vraiment être le bon coup. Alors je dis pas que c'est le bon coup, mais vraiment ça semble intéressant. Alors bien évidemment, on peut tout de suite se dire, il y a fou prend. Tour prend ou dame prend et cavalier prend. Mais ça va pas. Pour plein plein de raisons, mais ça va pas du tout. Bah, tout simplement déjà parce qu'il y aurait une attaque immédiate hein, sur par exemple sur ne serait-ce que. Attendez, non, ça va à peu près. Donc déjà le fou est mal placé, il y aura une attaque. Moi je pense à des coups comme. Peut-être dame H5, mais c'est vrai que sur... ouais, je pense à dame H5, etc. Ouais, il y a vraiment du jeu. Il y a vraiment du jeu. Alors, fou G3, là par contre, c'est vrai que là c'est un peu gênant parce que le pion va pouvoir se pousser, il sera soutenu. Mince, voilà, je sais pas ce qu'il me fait lui. Le pion va pouvoir se pousser. Ah oui, non, je me suis trompé. Le pion va pouvoir se pousser ici. Donc le cavalier va soutenir, la tour va soutenir, le fou va soutenir, ici il y a déjà une belle diagonale, la dame va pouvoir s'activer peut-être, peut-être, après cavalier H4 par exemple. Donc vraiment c'est gênant. Il faut bien jouer là, c'est sûr. Fou G3, mais cavalier G5 est joué, c'est un excellent coup. Excellent coup. Menace la fourchette en E6, donc on voit que mon cavalier prend E5 ne va pas à cause de cavalier E6, fourchette, gagne immédiatement du matériel. L'attaque, je pense pas qu'elle soit suffisamment forte pour donner le matériel. Hein. Les noirs, je pense pas qu'ils aient suffisamment d'attaque. Je ne crois pas en tout cas. Après cavalier G5, c'est dame E8 qui est joué. Et là, on voit quand même que cette fois-ci, le pari des blancs est obtenu, c'est-à-dire que les pions avancent et créent des menaces dangereuses. Et la contre-attaque noire, comme on aurait pu penser forte, n'est pas si forte que ça en fait. C'est pas terrible. Donc, fou prend F5. Avec, on voit peut-être des idées de dame H5 hein, qui peut arriver. Ça peut être assez désagréable pour les noirs. Cavalier prend peut-être aussi.
C'est toutes ces idées-là. Alors, d'un prend E5 est joué, effectivement, avec, on le voit, bon, l'attaque relative, hein, mais l'attaque sur H2, par exemple, menace de prise ici sur F5, etc. C'est une position assez intéressante ici. Je me demandais fou 6. Je pense que fou 6, c'est le coup qui gagne, tout simplement. Cette position. Ouais, fou 6, oui, c'est ça, c'est le coup qui gagne. C'est d'ailleurs, je pense, l'un des seuls coups qui tient avec les blancs. Faudra voir l'analyse avec l'ordinateur quand je serai à la maison, mais je pense que c'est le seul coup qui tient. Vous pouvez regarder avec votre ordinateur, voir ce qu'il dit sur cette position, mais je pense que fou 6, c'est le seul coup qui tient. Alors, est-ce que le grand maître va le jouer? Oui, c'est logique, hein. Fou 6, roi H8. Et là, comment est-ce qu'on exploite? Tour prend F8. On échange déjà le matériel. Tour prend F8 et il y a encore plus fort ici que la fourchette. Il y a encore bien plus fort. Alors c'est compliqué. C'est compliqué. Non, ça tient, ça tient. Ouais, ça tient. C'est la poussée en D7. La poussée en D7 est extrêmement forte ici. Parce que ben, tout simplement la menace de dame immédiate. Hein. Et puis en conservant active la menace cavalier F7. Aaron Nimzowitsch disait la menace est plus forte que l'exécution. Donc bon, quand on a la possibilité de conserver une menace tout en jouant un coup qui va introduire une autre menace, autant le jouer. C'est toujours bon à prendre. Donc, fou H2 échec. Ouais, fou H2, peut-être. Je vous avoue que je vois pas trop ce qui peut tenir pour les noirs, mais c'est compliqué, la position est compliquée. C'est vrai que la paire de fous, quand même, elle peut s'activer. Il peut y avoir des, je sais pas, des idées. C'est vrai que le fou là, il est bien. Ouais, c'est compliqué. Je vous avouerai que c'est compliqué. Donc fou H2, roi H1. Dame G3, on peut penser qu'il y a de l'attaque. Hein. On pourrait penser si jamais le cavalier part, dame prend, etc. Bon, encore une fois, ce fou protège cette case-là, mais le cavalier ici, peut-être. Plus tard, pour avec toujours les mêmes menaces. Ça semble intéressant. Ça semble intéressant à première vue. Alors, surtout pas faire dame. Hein. Il y aurait mat. Hein. Attention, il y a quand même une menace de mat immédiate. Hein. Donc, sur ces dames, ben, il y a fou prend G2 même qui mate, ou dame prend G2 qui mate aussi. Je pense que c'est. Je pense que vous voyez les deux mats. Donc ça va pas, il faut jouer autrement, il faut déjà protéger le mat. Alors c'est pas évident, dame F1 va pas, il y a tour prend. Dame E2, concrètement, je pense que c'est à peu près le seul coup. Pour parer le mat, je pense que c'est le seul coup dame E2, il me semble. Dame E2 est joué. Alors, après dame E2, cavalier E5. Ça, par contre, je suis en accord avec ce coup, mais bon, c'est le coup de la dernière chance. C'est la dernière chance, on va dire, pour les noirs. Créer quelque chose. Est-ce que cavalier ici était bon à votre avis? Ah, il y a cavalier F7. Hein. Aïe 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 aïe. Ah, c'est le genre de coups ça qui font. Ici. Cavalier D8, échec. Et puis cavalier prend. Voilà. Donc ça va pas. Cavalier E5, peut-être tout de suite. Créer un d'autres menaces. Ok, donc là je comprends aussi ce coup. Et fou D2, ben après fou D2, alors la menace c'est quoi? Par exemple, bon, de toute façon on pourrait jouer à 4 même, hein, je pense. Mais fou D2 c'est bien parce que ça permet d'activer la tour. Alors pourquoi est-ce que les noirs abandonnent ici? Parce que les noirs abandonnent ici. Donc je vais vous dire le nom du grand maître qui abandonne. C'est Miguel Davis qui abandonne ici. Tout simplement parce que. Dans cette position, bon, il y a le pion qui va clairement aller à dame. On voit qu'il y a la possibilité de faire la fourchette ici, toujours, hein, à un moment donné, d'attaquer à la fois le roi et éventuellement de protéger la promotion. Il y aura tour D1, le fou qui partira peut-être en C3, je sais pas exactement trop. Fou C3 ça me paraît bien parce qu'on a une belle diagonale sur le roi.
Et donc là, bon, concrètement, il n'y a plus de défense, hein. Il n'y a plus de défense du tout. Je pense même à quelque chose. Vous voyez, si on jouait par exemple fou C6, je pense même, peut-être, je sais pas, je vais regarder, hein. Dame prend. Ah non, c'est vrai qu'il y a le mat en G2. Effectivement, il y a le mat en G2. Mais sur fou C6, ben, tout simplement. Bon, comme il prend H7, ça me paraît un petit peu audacieux. Peut-être que ça tient, je suis pas sûr. Non mais tour F1, de toute façon, voilà, la partie est terminée. Tour F1, donc là si l'échange a lieu, dame, hein, tout simplement. Si tour prend, c'est mat en 2, il me semble. 3, peut-être. Ah non, c'est vrai que c'est échec. Hein. Donc dame prend. Derrière, il n'y a pas de défense. Pour la promotion, ouais, on est obligé de faire cavalier prend. On est obligé de tout perdre, quoi, en fait. Fou prend peut-être. Cavalier prend pour protéger, vous voyez, le mat. Mais après fou prend. Ben, y a plus de solution parce que sur fou prend, il y a dame mat, tout simplement ici. Vous aimez gagner, il faut pas jouer contre moi. Voilà, donc encore une défense qui tient pas. Ouais, cavalier prend D7. Hein. Ouais, dame prend G2, évidemment, c'est jouable, mais je veux dire, voilà, autant abandonner tout de suite, quoi. Dame prend G2, fou prend G2, roi prend lequel? Roi prend G2, je pense que c'est mieux. Le fou n'a pas de case, le fou noir n'a pas de case. Cavalier prend D7 forcé. On prend lequel? Je pense même roi prend H2, c'est jouable, ou fou prend ici, enfin voilà, on a deux pièces d'avance. C'est complètement perdu. Voilà, donc cette vidéo arrive à sa fin, j'ai plus du tout de batterie, donc je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Thank you.